je parle, mes paroles sont plus hauts que ma vie. Et les actes que je pose ne sont même pas dignes de lui. Et si je ne vais sur mes voies de peur de pécher par ma langue et pousser mon voisin à douter de mon expérience, où est la place de Jésus dans tout ça? Où est la place de Jésus dans tout ça? Jésus-Christ est le centre de ma vie. Oh, Jésus-Christ est le centre de ma vie. Je vivrai pour lui toute ma vie. Moi, je vivrai pour lui toute ma vie. Moi, je vivrai pour lui. Je prêche, c'est pour attirer les hommes vers moi, pour recevoir les honneurs, les louanges, les vénérations. Si les motifs derrière moi sont égoïstes, pour me faire un substitut dans le cœur de croyants, où est la place de Jésus dans tout ça? Où est la place de Jésus dans tout ça? Jésus-Christ est le centre de ma vie. Alléluia! Jésus-Christ est le centre de ma vie. Je prêcherai pour lui toute ma vie. Moi, je prêcherai pour lui. Moi je prêcherai pour lui. Si je prenais mon don de chanter pour me faire un peu d'argent, devenir une vedette ou une star de la musique chrétienne, oubliant que le vrai don, ce savoir, se carter du chemin et demander au Seigneur que son don retrouve sa place dans l'église. Mais où est la place de Jésus dans tout ça? Où est la place de Jésus dans tout ça? Jésus-Christ est le centre de ma vie. Alléluia! Jésus-Christ est le centre de ma vie. Chanterai pour lui toute ma vie. Moi je chanterai pour lui toute ma vie. Moi je chanterai pour lui. Comme un chrétien pour faire plaisir à ma femme, si je vivais comme une chrétienne pour être appréciée par mon mari, être vue par mon pasteur, mon église et aussi mes voisins, si cette vie ne vient pas de l'intérieur, ce n'est que du sable mouvant. La vraie vie doit être Zoé, la vie littérale de Jésus-Christ dans mon âme. Mais où est la place de Jésus dans ma vie? Où est la place de Jésus dans tout ça?
Jésus-Christ soit le centre de ma vie. Je t'en prie, Jésus-Christ soit le centre de ma vie. Je vivrai pour toi toute ma vie. Moi, je prêcherai pour toi.